même pas parler avec le nez bouché. Alors. Hop, un petit peu fort chez moi, je baisse le son de mon casque. Voilà, ça devrait être bon chez vous dans tous les cas. Donc allons-y. Alors souvenez-vous, si vous avez oublié, on recherche un moyen de traverser le lac Ilia. Donc il nous faut potentiellement ce qui ressemble à des palmes. Mais il n'y a qu'un mec qui a réussi à traverser le lac Ilia, c'est un Minish. Et là, ce Minish est coincé dans une étagère de bibliothèque. Étagère de bibliothèque, on ne peut accéder qu'en ramenant tous les livres qui ont été empruntés dans cette étagère. Ils sont au nombre de 3 et nous avons actuellement récupéré un seul livre. Voilà. Donc, il nous faut nous diriger vers le deuxième livre. Et la dame nous avait donné un indice, me semble-t-il. Ensuite, le deuxième livre qui n'a pas été rendu. Voilà, il s'agit de la légende des Minish. C'est un chercheur qui étudie les Minish qu'il empruntait. Il habite près de la maison avec les roues du moulin à eau. Alors. Salut Gimouki, installe-toi tranquillement. On est là pour du Minish Cap. Alors, donc une roue avec un moulin au. Où est-ce que ça peut être? Il attend pour me distraire pendant que je bricole. Ok, bah installe-toi. Fais ton bricolage, on est là pour une petite heure et demie de Minish Cap. Je voulais lancer le stream plus tôt, mais bon, c'est un peu trop le bordel chez moi, il fallait que je fasse du rangement tout de même. Ok, bah t'inquiète, t'inquiète, je note. Pop, pop. Oui, s'il y a une maison avec un moulin haut. Oh. Non, mais. Ah! C'est pas lui, peut-être? C'est pas lui, le vieux grognon, là? Qu'est-ce qu'il y a? Le livre que j'empruntais? Ah oui, excuse-moi, excuse-moi. Eh bien, vas-y, entre. Ok, on va en profiter pour. Voilà! Attendez. Ça va nous faciliter la vie quand on sera à Minish, j'ai l'impression. À moins que ça n'a pas eu tout le cas, attendez, je ressors. Oh, je suis Left, expert en Minish. Bon, si tu veux lire la bibliothèque, l'agent des Minish, c'est ça? Vraiment désolé, mais depuis quelques jours, je n'arrive plus à le retrouver. Des souris ont peut-être caché, en tout cas, il n'est pas sorti d'ici. Si vraiment tu as besoin, libre à toi de le chercher, mais je suis trop occupé. Alors, comment va-t-on faire? Oh! C'était gratuit ça, c'est bizarre. Il y a une cheminée, on peut peut-être l'éteindre avec de l'eau, ça se trouve. Ah merde, j'ai du lait. Bon, je dois me débarrasser du lait. Hein. Hop. Pas le choix. Faut absolument qu'on récupère d'autres flacons. Hop. Voilà. Ensuite, on va voir si quand on est Minish, on peut rentrer là-dedans. Bon, toi, Gamewookie, je suppose que t'as déjà fait le jeu, j'imagine. Comme tous les vrais geeks de ce chat. C'est-à-dire pas moi. Hop, attendez, je redresse ma chaise. Je redresse ma chair. Ok. Aha!
J'adore cette ville, c'est la meilleure qu'on puisse trouver chez les humains. Et j'ai bien l'intention d'y rester pour toujours. Ah, il faut faire un assemblage, lui. Alors, on va assembler, non, c'est pas celui-là, je suis bête, comme une... Comme une table. Ok. Ah. Alors, tu veux absolument y aller? Tu vas te couvrir de gloire, si tu ne meurs pas. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit qu'il y avait un chemin incroyable ou je sais pas quoi, là. Ah oui, avec le... Ok, des chats de la mort. Des chats de la mort. Ouh là là, j'y arriverai jamais. Impossible d'en aller plus loin, j'ai trop peur. Hier, yeah, je l'avais fait sur 3DS grâce au programme ambassadeur. Quel plaisir. Ah bah, t'as quand même payé 100 € trop cher à une console, ça l'a dit. Bah. Ah ok, ici, il y a le petit passage, j'avais pas vu. Ah, secours. Non, le chat. Non, il est mauvais. Sale bait. Mais après, c'est vrai que je crois que t'avais dessus, t'avais genre les deux Metroid, je crois. T'avais le F1 F0, je crois. Kirikou, dans un endroit pareil, se cachait derrière la fontaine. Ah non, excuse-moi. Qui aurait cru qu'un endroit pareil se cachait derrière la fontaine? Bon, dépêchons-nous d'aller chercher ce fameux trésor des miniches. Ça prend du travail de retravailler Kermit à chaque stream. Hein. Got some free games. Après je dis ça, mais les jeux GBA on les a toujours pas sur, sur la putain de Switch, donc on se l'a dit finalement. Ouais. T'étais peut-être mieux loti avec une 3DS finalement. Hein. Même une 3DS à 250 balles. Hop. Hop là. C'est la coffrance, on est coffrets. Alors, je vais éviter d'avoir. Oui, gratuit avec des guillemets quoi. Je vais éviter d'avoir trop mal aux yeux. On va faire la transformation exclusive du stream. Attention, ça n'arrive pas tous les jours, les amis. Boum! Je mets mes lunettes de vue. Voilà, enfin de lecture plutôt. Ou d'appréciation de la télé. Vous recevez les bracelets de force. Ils permettent d'avoir une grande force malgré un tout petit corps. Wow. Voilà, Link n'est plus un fragile maintenant. Il est enfin gomuscu. Ce chara-design. Le chara-dev. Non, attrape le cœur! Non! Il va nous falloir des palmes indées pour ça. Par si on peut sauter avec les bottes. Mais non. Non, c'est bon, ouais, on a déjà vu. Ok, bon. Bon, on verra. Hein. Aïe. En tout cas, c'est plutôt cool, on va pouvoir faire plusieurs choses avec ça. Mais lâche-moi! Ah, il déconne pas. Ah d'accord, ok, ça nous servira à pousser l'étagère du coup. Ok, donc c'était pas totalement annexe ce qu'on vient de faire. Voilà.
C'était donc pour ça qu'il y avait un petit écart entre les deux. Mais comment le bouquin a pu finir ici? Ça n'a aucun sens. Saleté de mini-jeu. Ah ah, je m'y attendais, les livres des humains sont vraiment amusants. Les choix de Left qui habitent en bas sont toujours éclairés. Rendez-moi le bouquin. C'est très poussiéreux ici, non? Je devrais faire le ménage. Ah bah, c'est ce que je viens de faire juste avant, ça. C'est ce que je viens de faire juste avant. Alors, ah ouais, ok, bon bah nous on va faire le ménage par contre. Alors, ok. Pourquoi ça nous sert ça? On peut pousser ça peut-être? Ah, j'ai ma chaise qui fait que de se baisser toute seule, c'est insupportable! Ok, on va se mettre comme ça, ça sera peut-être mieux. Alors. Oh Is, j'aimerais bien redescendre ce livre, mais même à deux, c'est dur. Et mon frère est trop pris pour sa lecture qu'on m'aidait. Allez, encore un effort. Ok. Bon bah falloir venir avec des clones. La guerre des clones. Zut, moi je vais pas rater. Oh merde! Non, je suis tombé tout en bas. Zut, ça n'a pas marché. Peut-être pas compris totalement ce qu'il fallait faire. Qu'un item peut-être. Enfin, je pense qu'on doit être à deux dessus quoi. Ça me semble plus logique mais. Non, je l'ai fait rentrer dans le truc. Aïe aïe aïe. Alors. Ah, ça a tombé là. Ouais, c'est bon. Il s'écroule. Ok, nickel. On va pouvoir se regrandir. Une grandification. Oup. On tombe dans l'eau. Hop. Le bouquin, il est à nous. Lieutenant de bibliothèque, la légende des miniches. Alors, je vais juste baisser un petit peu ma cam. Il y a trop un focus sur au-dessus de moi et pas sur moi. Voilà, c'est un petit peu l'inverse là. Voilà. Ah, ok, on est bon. Hop. Ouais, la bibliothèque. Allons-y, il nous restera ensuite un livre. Ça va. La dernière fois, on avait commencé le stream en étant bloqué. Là, ça, on commence le stream en étant pas bloqué, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pas tourner en rond comme un crétin. Ce livre, c'est la légende des miniches, prêté depuis des lustres. C'est encore toi qui étais le chercher, Mario, mais tu es un amour. Enfin, le dernier livre qui n'a pas été rendu, tout sur les masques. Zis, Majora's Mask référence, Monsieur Hagar, le maire qui l'empruntait. Étant donné sa position, il pourrait donner l'exemple. C'est vrai ça, il pourrait au moins rendre les bouquins, ce fichu maire. Donc qui se prend-il? A profiter ainsi du service public. Non mais on aura tout vu. À détourner le système comme ça.
Il est temps que Mario se présente comme maire de cette ville, corrompu jusqu'à l'os. Yes, it's me, Aga, ou have the book. Non, c'est ça. Non, il dit autre chose. C'est bien moi, Amar, qui a eu l'honneur d'avoir été élu mayor de cette ville. What? All on the mask? You say? Oui, c'est moi qui ai ce book. Well, ça se pourrait bien, mais I don't remember. Ok. Maintenant qu'on a le truc de force, peut-être aller en bas. Là, ce truc-là, là. On avait passé de biscotto, là. Alors. J'espère que mon intuition est la bonne. Mais non, s'il nous faut encore autre chose, il nous faut absolument qu'on soit 4 pour faire ce maudit parcours. Eh bien, tant pis. On va plutôt continuer de chercher dans la maison du mayor. Hop. C'est vrai qu'on avait été en haut et le mec nous avait rien donné, je crois. Donc on va aller voir. Ouais, rentre dans le pot. Monsieur Aguirre est allé à la cabane du lac avec le livre sous le bas l'autre jour. Avec le tremblement de terre, le chemin qui mène à la forêt de Tiloria est bloqué. Il ne peut pas aller récupérer. Mais quand il est revenu, il n'avait plus de livre. Il l'a peut-être oublié à la cabane du lac. C'est vrai que Monsieur Aguirre est parfois très étourdi. Tu voudrais aller à la cabane du lac? Je vais faire une croix sur ta carte. Voyons voir. Voilà, c'est là, juste ici. Ok. Par contre, on se rebalade dans Hyrule. Moi, ça ne me plaît guère. Grandification. Allez, c'est parti. Alors, on va donc faire le petit ocarina du vent. Touloulou, touloulou, touloulou. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'on aille à Tiloria ou au lac plutôt du coup? C'est la grande question. Ah oui, un ennemi en or. Vite, Link. Il nous faut de l'argent. Ah bah dis donc, Victor. Oh, faisable, hein. Sorcière là. Peut-être maintenant qu'on a des gants de force, on peut peut-être se débloquer le chemin. Oh là, peut-être. On va aller voir. Ok, non, toujours pas. Alors, vivement qu'on ait ces maudites palmes. Hein. Ça devient relou de se faire bloquer à chaque coin d'eau là. Un.
pas rentrer là-dedans sans palme non plus. Ça devient encore coton cette histoire. Peut-être là-haut. Ah. Ah non, c'est encore... Ah non, c'est encore... Encore une grande fée. Ah, ça va pas nous arranger, ça. Bon. Le truc est là. Et nous on est là. Maintenant c'est comment on va de là à là. Grande réflexion, n'est-ce pas? Pourquoi on se retrouve à courir partout pour récupérer des livres? Je sais bien que c'est pour trouver un moyen d'entrer dans le temple de l'eau. Mais je suis quand même un grand sage, je mérite un peu plus de respect. C'est vrai. Tu as bien raison, moi aussi je mérite du respect tout de même. Comment faire, comment faire? Eh bien, je disais tout à l'heure qu'on était plus bloqué, alors on redevient bloqué. C'est le karma, ça. Ok, peut-être qu'il a quelque chose à nous redire, lui, là, le petit là-bas. Je t'ai dit que Bukta habitait à présent à la bibliothèque. C'est le sauce scoop que j'ai pour toi. Ok, bon. Il ne sert à rien, moi, ça c'est une. Moi, ça c'est garanti, il ne sert à rien du tout. On va aller ici. Parce que le truc c'est que si on... En fait le TP à la forêt de Tiloria il est vicieux parce que tu es obligé de redevenir un mini, je suis retapé tout le chemin sans saveur donc c'est très relou pour les tingles. Chapeau vert et tunique verte, serais-tu un lutin? Oh la classe, la classe, moi aussi j'aimerais bien être un lutin. À propos j'ai un fragment du bonheur, on les assemble dit. Depuis le bois des miniches. Peut-être bien. Non, c'est pas celui-là que je vais faire. Non mais... Ah, le stick. Voilà, merci.
Hop, bon, je suis posé, moi, voilà. En même temps, c'est que maudite chaise qui n'en fait qu'à sa tête. Ça ne m'aide pas. Ok, ça, ok. Les Nord d'Irul. Ils se sont assemblés à la perfection. Je vais enfin pouvoir devenir un lutin. Ok. Et puis le bois des mini, je te dis. Ça ne manque pas de sens. Allons voir. Désolé, je t'ai donné mes dernières bombes. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit le grand chef là? Passe par ici, c'est un raccourci pour sortir de la forêt. Ouais, bah ça on le savait déjà, ça mon gars. Tu ne me sers à rien. Tu veux reforger l'épée sacrée, sauver la princesse, courage, je suis sûr que tu arriveras. Tu veux assembler des fragments, d'accord, ne perdons pas de temps. Ah non, j'ai pas. Ils veulent que des verres, hein, c'est ouf ça les gens de nos jours. Il y en a que pour le verre. Putain, mes OST comme ça, là, voilà, ça c'est des OST de jeux vidéo, ça. Ça on aime bien, ça, les OST de jeux vidéo comme ça là. Du caviar pour les oreilles. A-t-il dit. Qui pourrait bien nous indiquer la marche à suivre. Les autres. Les petits mini, ils ont parlé de la forêt de Tiloria, on y est. Ouf, oui donc. Il paraît que j'ai 0 ami du coup. Ah bon? Pourquoi tu as 0 ami? C'est sur la Switch, c'était normal, hein, je t'ai enlevé récemment. Alors. Ah, zut. Ah, t'as pas vu passer le tweet qui disait que si on écoute des OST de jeux vidéo, on a 0 ami. Ah bah, j'en suis la preuve vivante. Alors, n'importe quoi. Ah, défait vite. On va essayer d'en choper une. Voilà. Oh là 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 là, comment faire? Ça devient retors ce jeu quand même. Hein. Parce qu'il y a l'homme transformant mini, ça va pas aider, j'ai l'impression. On peut essayer, mais. Je ne garantis pas. Ouais, non, voyez, on est déjà bloqué par ici. C'est casse-pied quand même. Ouais, voilà. Hop, et puis là, blablabla. Bon, on peut pas passer par le sud de la forêt, mais peut-être que par le nord, on peut.
je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec ces items. On a beaucoup d'items, mais... Ah oui, d'ailleurs, il nous en manque plus que deux, hein, plus que deux items principaux. Mais il n'y en a absolument aucun qui va nous permettre de faire des sauts, là, comme ça. Avec les trucs passifs que j'ai, là. Bague d'escalade, bague de bracelet de force. Ça ne sert à rien. Parler d'une chute de pierre ou je sais pas quoi là. Est-ce qu'on l'avait trouvé ce truc avec une chute de pierre là? T'as déjà usé du trick du saut avec les bottes? On peut sauter avec les bottes? Ben, je crois que le y a le type du comment dire? Il y a le type du donjon, il nous a dit de revenir quand on aura appris à sauter plus loin que tout le monde. Et c'est vrai que maintenant on a les bottes. Peut-être qu'il y a un mec en ville qui peut nous apprendre à faire ceci. Peut-être qu'on peut retourner voir le cordonnier, peut-être. Je sais pas. Il repionce. Oh, bienvenue, je suis sauf par le cordonnier. Je suis encore dans une paire des gars. Je vais terminer ses chaussures. Attendez voir. Attendez voir ce type. En gros, si tu équipes des bottes sur un bouton et le saut sur l'autre, et du coup, si tu cours et que tu sautes juste après, ça te fait un saut en longueur. Oh, oh, grâce à nos bottes de Pégase, je peux voir en tous les sens. On s'est jeté maintenant. Et les conforts de Bottigas, mes fabricants, est incomparable. Nous sommes très heureux que les gens portent aux chaussures. Attends, t'es en train de me dire que si je fais baguette plus saut, ça rattrape le sort ou un truc du genre? Que j'ai pas le j'ai pas de touche saut en fait dans le jeu, pas de touche de saut. T'as pas encore la cape de rock? Cape de rock, ça ne me dit rien. C'est peut-être un item, ouais, c'est peut-être le prochain item du donjon ce que tu m'as dit là. Pas voir tout de suite, d'accord. Je m'as fait peur. Bon. Ok, bah je garde le trick, mais pour l'instant, c'est vrai que là, on n'est pas dans la merde. Acheter tous ces fragments à lui, comme ça il pourra l'aider le l'autre goron lui. Ah, il attend une autre livraison, il a dit. Ah zut. Bah zut alors, j'ai dépensé tout ça pour rien, t'es en train de me dire. Ok. Il y a sûrement un truc à faire avec le avec les gants de force des miniches là. Certainement un truc à faire. On va aller voir le truc que nous a donné Tingle là. Voilà, c'est cet arbre là. Peut-être un truc sympa ici. Oh! Ok. J'espère que c'est un truc sympathique. Attends. Il en faudrait un aux quatre coins de la map, là? Ce que t'es en train de me dire, le jeu.
Est-ce qu'on peut se balader dans le château, dans le jardin? Non, on peut pas. Du coup, il y a un truc en dessous là. Maintenant, ça c'est dit. Ça c'est officiel. Peut-être Tingle qu'il faut retrouver à chaque fois, peut-être. Et du coup, normalement, il est dans les petits trucs avec des rondins, là. Les petits endroits et des petits rondins coupés. On sait qu'il y en a un vers le lac Ilia, notamment. Ok. Ça va encore être... ça va encore être galère, cette histoire. Bon, allons voir par là. Cascade de serre, c'est vrai qu'on n'a pas encore été ici. Enfin si, on y a déjà été, mais on pouvait rien faire. J'ai pas l'impression qu'on puisse encore faire grand chose. Ok, ah, tant pis. Si on essaie de se transformer en mini-je depuis, depuis la ferme Lonlon, ça va peut-être débloquer un espèce de chemin. Ah, il est là. Ok. On aille le voir. Comment fait-on? Zou, cassez-vous, vous. On va retourner dans la ferme. Si vous entendez des bruits et quoi que ce soit, c'est qu'il y a un avion qui passe pas loin. Je suis un petit peu à côté de la campagne, t'as genre des vieux avions. Pas des Boeing, hein, mais genre des vieux avions qui... qui se balade, si je puis dire. Hop. Oh bonjour petit lutin, merci pour ce que tu as fait mon frère Tingle. Oh, son frangin, il m'a confié un fragment disant que tu allais venir. Alors, tu veux faire l'assemblage? Hop là. Ils se sont assemblés, j'imagine déjà la tête de mon frère. Merde. On va sauter depuis la haute. Ah oui. Hop. Alors, bon, ça j'imagine que c'est pour me dire qu'il y a un fragment qui peut être débloqué ici, ou je sais pas quoi peut-être. Ah non, c'est pour ça, c'est vrai. J'avais oublié. Ok. Ici, il y a quoi déjà? Je crois qu'on a tout fait ici. C'était là où il y avait une graine, là, il me semble. Ah bah, il y avait un quart de cœur derrière. Ouais. Ouais, il y a des gros verres. Mais c'est dégoûtant. Verg. On va passer entre les vaches peut-être. Ouais, on dirait que c'est totalement ça. Il faudrait que la vache pousse. Voilà, merci. Ok. Ok. Bon, j'espère que mon intuition est la bonne. C'est vrai qu'on n'avait pas encore pu aller ici. Je sais pas s'il y a un truc à faire spécialement. Fais attention, j'ai failli te manger. Tu veux faire un assemblage, d'accord, j'aime bien ça, mais... Ok, bon. Meilleure imitation de vache tous les soirs à 20h. Reviens quand tu veux. Bon bah y'a rien pour nous ici, visiblement. Enfin, s'il y avait cette vache. Il faudra revenir quand on aura un bon fragment pour s'assembler avec cette vache. Évidemment, on va ne pas sortir de son contexte. Alors. Oh non, on est coincé. Bon, tant pis. Si tu me dis que tout ce labyrinthe de la mort, c'est juste pour parler à une vache, je vais me foutre en l'air.
Brouter de l'air, c'est le plus grand des bonheurs pour moi. Hop. J'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre avec la flaque d'eau du pré. Tu peux en croire mon instinct de hache. Je crois que c'est le fragment là. Je mange plein d'herbes tendres pour me faire du bon les crèmeux. Voilà, c'est dialogue de vache mais magnifique quoi. J'ai l'estomac bien rempli. C'est tellement bon que je ne peux pas m'arrêter de manger. Merveilleux jeu, hein, c'est beau les jeux vidéo quand même. Dans ce genre on peut parler à des vaches quoi. Et ça, c'est pas tous les jeux du monde qui permettent ça quoi. Voilà. Ouais, c'est bon, ça on a déjà récupéré. Y'a quoi là-haut? Ah oui, c'était pour faire tout le chemin là. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être que. C'est peut-être par là? On va aller voir. Mais non. Non mais. Oups. C'est insupportable. Ok. Bandicoot 11. PC, PS4, t'as un succès. On parlait à toutes les vaches. Hein, c'est rigolo ça. Hop. C'est bien MDR ce que tu me racontes là.